Salut à tous et à toutes, ici Mister Wu. Donc j'ai eu un petit souci en fait, si vous voulez, j'ai foiré mon premier enregistrement MDR, XPTDR, parce qu'en fait, je me suis foiré tout simplement. Donc mauvaise nouvelle, c'est que maintenant, c'est pas une mauvaise nouvelle pour vous ça change rien, hein, c'est juste que le son sera de retour nickel. Enfin, nickel, pour moi c'est moins bien, mais bon, soit. Si vous, ça vous plaît d'avoir du son comme ça, que votre tant mieux, hein. J'ai rien d'autre à dire, quoi. C'est tant mieux pour vous. Donc voilà. Donc maintenant, dorénavant, ce que je vais faire, c'est ça, quoi. Donc je vais repasser un truc. Donc maintenant, le mode aventure, c'est le mode aventure, hein. Alors, nous allons avancer. Parce qu'en fait, j'ai repassé le mode avec le micro, là. Vous voyez, micro à perche. Ah je réutilise ça maintenant. J'utilise le micro à perche qui est tout près de moi. Et du coup, voilà, c'est ce que j'utilise pour faire les enregistrements maintenant. Comme ça, vous êtes au courant. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un peu d'aventure, cher Jamy. On va faire de l'aventure génialissime. Voilà. Bon voilà, donc je vous annonce, j'ai fait peut-être un premier enregistrement où ça s'est un peu foiré. Mais voilà, je vous annonce déjà, voilà ce qui se passe. C'est que en fait, le premier enregistrement n'a pas pu être fait correctement à cause que j'étais en mode truc, hein, mais je pouvais pas faire autrement. Merde, il y a un monstre, où ça? Je vois pas de monstre. What the fuck? Mais il n'a pas de monstre, qu'est-ce que tu racontes? Ah, c'est mieux. C'est sûrement un bug. Alors, ah là, il y a un monstre en effet. Meurs. Meurs. Voilà, il a explosé, c'est magnifique. En tout cas, maintenant, ce qui est bien, c'est que j'entends tout le son du jeu dans mes oreilles parce que j'ai un casque pour ça en fait. C'est parce que du coup, comme c'est plus Laver Media qui enregistre lui-même. J'utilise toujours la même clé USB, mais normalement il ne devra plus avoir de soucis justement à cause que le fait que j'ai changé une méthode. Donc ça devrait régler le problème à ce niveau-là. Il ne devrait plus avoir de soucis à ce niveau-là. Bon, continuons. Ce qu'on va faire, c'est... Ah, c'est dommage. Je pensais avoir trouvé la meilleure technique. Que je pensais que j'avais trouvé la bonne technique pour faire des enregistrements audio. Mais non, ça a foiré. Du coup, ce que je vais faire, je vais pas garder inutilement, continuellement, toujours ça. Je vais peut-être passer en mode machin là. Et on fera ça comme ça. Après, c'est pas très grave hein, en soi. Ça va, c'est pas la mort. Mais disons que j'aurais préféré que mon haveur média soit autonome, vous comprenez? Et ça me dégoûte un peu. Mais au moins, c'est fini. Plus de sons bizarres. Oh, youpi! Et c'est vrai que c'est désagréable. Je suis d'accord avec vous. Disons que ça me facilitait la vie. Vous comprenez? Et c'est un peu l'idée en soi que j'avais. Ça me facilitait la vie dans ce sens-là. Mais après, vu que ça peut provoquer aussi des problèmes. Ok. C'est. Du coup, on l'a réglé, quoi. C'est réglé comme ça. Donc encore désolé pour ceux qui ne sont pas au courant et pour ceux qui ne savaient pas. Voilà, le problème, c'est ça quoi. Quand on sait pas, on se trompe. Alors, en fait, mon premier enregistrement, en fait, ce qui s'est passé, je vous explique un peu. J'avais débuté l'enregistrement, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a foiré, ça a planté complètement. Tout simplement parce que, en fait, ce qui s'est passé. Déjà, j'ai oublié un truc. C'est que j'ai oublié d'activer le minuteur. Si je l'avais activé.
On a 5 minutes, ok. Mais ici, je dois le refaire, du coup. Attends, moins 5, ça fait 14. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, en fait, si vous voulez, c'est que j'ai eu un problème avec mon truc, et ça a provoqué ces soucis-là. Donc ici, ce qui se passe, c'est que le son n'est pas mixé. Donc ça veut dire que c'est moi qui fais les montages au-dessus et tout ça. C'est un peu plus casse-couille, mais ça va, ça va. Le truc qui est bien par rapport à l'autre, c'est que déjà ici, j'ai un casque qui m'oblige en même temps de parler plus fort pour que je puisse m'entendre. Donc ça aide un peu à ce niveau-là. C'est déjà ça, on va dire. Et aussi, du coup, j'ai le son du jeu. Ce qui est vrai, qui est peut-être un plus aussi, parce que c'est vrai que j'ai l'art à jouer sans les sons du jeu. Je suis un petit comique, moi. Je joue vraiment sans le son du jeu, je vous jure. Mais ici, c'est pas le cas. Le son du jeu est là, et j'aurai tout correct. Alors. C'est juste que je dois à chaque fois synchroniser le son, mais ça va. C'est pas grave. J'assume de devoir faire. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais acheter un micro-cravate en fait. Pour régler ça. Du coup, la clé USB là, elle sert suffisamment pour ce qu'il faut. Du coup, il n'y a pas besoin de modifier plus. Ce que je voulais faire ici. On va récupérer un peu de trucs. Ah non, mais on n'était pas occupé à faire ça en fait. On était normalement occupé à faire autre chose. On va aller faire ça après. Mais c'est vrai que c'est plus agréable avec le problème du son qu'il y avait habituellement. C'est mieux comme ça quoi. Ça, on est d'accord comme ça que c'est mieux comme ça. Mais bon, voilà. C'était plus. Ça me donnait l'air d'être plus facile. Mais ça me demande plus de travail. C'est ça qui est casse-couille en fait. Parce que du coup, je fais deux enregistrements. Et il me faut mon PC à côté. Et c'est là le problème en fait. Et c'est ça qui me casse un peu les pieds. Et du coup, c'est un peu plus chiant. Mais bon. Sinon, l'appareil que j'ai acheté fonctionne nickel. Pour le truc qui permet de filtrer les manteaux de bourdonnement là, ça marche vraiment super bien. J'ai aucun bourdonnement là. C'est waouh, c'est fonctionnel. En fait, c'est ça le problème, c'est que cet objet-là n'est pas du tout fait pour l'envoi. En fait, ce truc de bourdonnement n'est pas fait pour réceptionner le son. Il est fait pour l'envoyer, pour le filtrer. Et c'est là que ça joue en fait. Parce qu'en vrai, moi j'ai mis le casque, mais en vrai le son, le bug du son et tout ça, il est toujours là. C'est juste que moi ça s'est fitqué quand ça arrive à mes oreilles. Mais en vrai le bug, il est toujours là du son. Et voilà où est le vrai problème en tout ça. Et c'est un peu casse-couille à ce moment-là. Bon, ce qui m'a cassé les pieds, c'est là que mon micro s'est pété la tronche. J'ai su le rattraper, mais c'était chiant. Du coup, j'ai dû stopper l'enregistrement. Ça m'a un peu fait chier. Mais sinon, ça va. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller par là. Hop. On va aller par là. On va continuer comme j'ai dit. Non, c'est de l'autre côté, espèce d'imbécile. Ah, j'ai mon Discord qui sonne. Génial. En fait, ce qui me gêne ici, c'est que du coup, la synchronisation de son est différente. Mais bon, c'est pas grave. Après, je peux utiliser d'autres méthodes aussi, c'est de faire des let's play commentés. Mais en étant narrateur après derrière, ça peut être sympa. Mais c'est moins intéressant parce que c'est vrai que techniquement, je fais pas grand-chose, on va dire. Hein. Aïe! Voilà, en fait, ici, on était occupé à récupérer. Aïe! Ouille! J'ai mal. On était occupé. Aïe. Je meurs. Je suis occupé à chercher la fin. Tu vas mourir, oui. Je vais mourir.
Ah, on est mort en même temps. C'est rigolo. C'est vrai que c'est plus agréable de jouer avec le son, j'avoue. C'est sans son, il y a moins d'intérêt en fait. Et c'est vrai qu'avant, en fait, avant de faire ça, je mettais pas le son en fait, je le retirais. En fait, j'explique. J'utilisais le vidéoprojecteur, je mettais le son à 12% et j'écoutais pas, j'avais parce que j'avais pas. Du coup, c'était complètement con en fait. Et maintenant, je comprends un peu mieux l'intérêt derrière. Il y a beaucoup plus de plaisir à ce moment-là parce que tu entends le son, il est dans tes oreilles directes et tu entends mieux le son et tu sais ce qui se passe, quoi. Aïe. En arrière. Hop. Ah. Ah. Non. Caca. Ah oui. Que je vais faire, c'est que je vais faire quand même un épisode un peu plus long. On est à 12 minutes. On est à combien ici? Il dit. On est à combien là? Tu dis. Ah bah ça va, 7 minutes, ça va. Excusez-moi, j'étais en train de vérifier combien de temps on avait encore. On a encore 7 minutes, donc ça va. Donc ce qu'on fait là, c'est qu'on récupère ce qui est là. C'est vrai que j'avais l'art à être un peu fainéasse, j'avoue. J'ai un PC. Autant l'utiliser, quoi, vous allez me dire. C'est vrai. Vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. J'étais un peu en mode facilité, en fait. Parce que c'est vrai que du coup, ben, je faisais plus rien, en fait. Tout était enregistré comme ça et c'était bon, quoi. C'était dans la boîte. Alors qu'un vrai let's play commenté, c'est différent. Donc oui, j'avoue que c'était un peu fainéant de ma part en fait. Donc ouais. J'avoue que c'était pas ouf. Oula. Oui, c'est Joy-Con Griff qui fait que j'ai du mal. Bah, en fait, je commence à en avoir vraiment marre de ce truc. Voilà, fini. Vous allez me dire, oh là là, tu l'as cassé, il fallait pas le casser, il fallait le garder. Je m'en bats les couilles. Mais vraiment, ça m'intéresse pas de faire une ferme à mob avec des zombies. C'est pas trop mon délire, donc autant régler le souci en retirant ce mob. Ça me sert à rien de toute façon. Et de toute façon, ils savent très bien popper sans machin, donc la preuve, hein. Ils ont pas trop de problèmes à ce niveau-là, je pense. Peut-être parce que je mets toujours mon Wuhu Prod qui fait que ça pompe aussi. Ça, c'est peut-être probable aussi. Peut-être que j'y ai pas pensé. Parce que du coup, ça demande de foutre une peluche partout. Bah, savez quoi? Cette vidéo va sortir sans les Wuhu minusculeux tout beau choix-peau qui se méritent. Non, je déconne, il va quand même être mis. Sans ou choix-peau, il n'y a pas de vie. Non, non, je vais pas le mettre parce que ça doit gêner. Ça gêne. C'est joli ou choix-peau gêne, à mon avis. Ouais, mais c'est vrai que c'est avec. Ah, je verrai.
J'ai juste une fois testé sans pour voir si ça prend moins de temps. Parce que du coup, l'exportation, ça demande juste de finaliser un mélange de sons. Donc peut-être que ça va être moins long du coup. Et si je vois que c'est moins long et que c'est très peu long par rapport à la norme, bah alors peut-être que je ferai comme ça. En tout cas, ma clé USB a l'air de moins rouspéter. Ça, c'est intéressant. Mais le problème justement avec cette technique-là, c'est que j'ai deux choses à faire. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, je peux faire qu'un seul let's play à chaque fois. Vous voyez où je vais en venir? Bah oui, c'est ça le problème. Bah voilà, on a récupéré combien de bois? Ça va, on a pas mal de bois, hein. On peut retourner à ce qu'on veut. Mais pour ça, il faut que je... Ouais, non, attends. On va encore récupérer peut-être des trucs, non? Oui, je sais, je viens de dire... Tricheur! Tu triches! Tu triches! Oui. Je triche. C'est vrai qu'habituellement, du coup, grâce avec cette technique-là, je sortais plus rapidement les vidéos et tout ça. Et du coup, ben, c'était pratique, mais non, en fait. C'est de la triche. Donc voilà quoi. Ça aide mieux de pouvoir. Il faut que j'essaye. Tant que j'ai mon PC, pourquoi me casser le cul à faire autrement? C'est plus pratique pour moi de faire comme ça. C'est juste qu'après, ça me demande du montage. C'est juste ça qui est chiant. Et je vais faire toujours un top au début. Mais sinon, à part ça, ça va quoi. Ah, mais quoique, en fait, je suis con. Peut-être qu'il y a moyen que ça se lance au bon moment. En fait, c'est peut-être moi qui fais des conneries. À tester. J'ai testé une fois un truc. C'est qu'en fait, oui, en effet, il y a peut-être moyen que je lance en même temps parce que j'ai une télécommande. Et en fait, ce que je peux faire, c'est lancer l'enregistrement. Et en même temps, lancer la télécommande. Et du coup, ça enregistre en même temps le son. Et du coup, plus besoin de régler quoi que ce soit. Tout sera déjà paramétré. Je vais essayer de penser à faire ça. On va tester. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, en fait, le problème, c'est que j'avais pas de télécommande pour lancer le son. L'enregistrement. Donc du coup, c'est pour ça que c'était un peu compliqué de pouvoir... De loin, il faut lancer le truc et tout ça. Mais là, c'est le cas. Donc du coup, ouais. Je devrais peut-être penser à faire ça. Je pense qu'on va terminer ici la vidéo pour celle-ci. Donc j'espère que ça vous a bien plu. C'est revenu à la normale. Et je vous dis portez-vous bien. C'était Mister Woubou. Et surtout, sortez avec un masque. C'est très important. Bande de trucs coquinous.